dans cette nouvelle vidéo sans aucun contenu, Kimiki et son frère vont tenter l'impossible Big Mac Challenge. Si vous pensez être capable de terminer ce challenge, n'hésitez surtout pas à vous filmer, à mettre sur YouTube ou encore à m'envoyer sur Instagram. C'est parti, j'ai fait beaucoup de toilettes, bonne vidéo. C'est le placement MyProtein et en ce moment c'est Black Friday les amis, donc avec le code Kibiki vous avez une réduction encore plus haute que d'habitude, presque 50% de réduction sur toute la boutique de MyProtein avec le code Kibiki. Vous pouvez vous faire plaisir avec cette magnifique box Black Friday, regardez comment elle est belle, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Franchement pour faire un petit cadeau ou quoi, à quelqu'un qui adore la nutrition, le sport et surtout la marque MyProtein, je pense que ça va faire fureur, ça va être très très vite, ça va être en rupture de stock. Peut-être que quand je sors cette vidéo ça va déjà être en rupture de stock. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Et là regardez, c'est trop bien. Extrêmement important pendant cet hiver et auquel on aura un petit peu tous besoin. Comme ça vous allez pouvoir commencer les vitamines. Ces brownies là, vous savez à quel point je les aime, j'adore ces brownies là. Ça aussi je suis trop fan. En Anka ici on a des petits trucs de céréales. Et shaker comme ça. Donc voilà, c'est une petite boîte où vous avez et plein de sachets de whey à essayer. Voilà, plein de petits sachets de whey. Ça vous permet d'avoir plein d'échantillons, de goûter un petit peu tous les produits de MyProtein et de surtout après pourquoi pas faire votre choix pour votre quotidien. Vous avez presque 50% de réduction sur toute la boutique. Black Friday est en édition limitée. Foncez, presque moins 50% avec le Kibiki. Et on se retrouve pour le challenge. Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kibiki pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une vidéo assez particulière. Vous l'avez vu, il fait nuit. Et quand il fait nuit comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas mangé pendant toute la journée pour préparer une grosse vidéo, un gros challenge encore une fois. Bon les amis, comme d'habitude, hein, je recherche un coiffeur. Donc s'il y a des coiffeurs qui font des trucs à domicile, venez chez moi. Hein. Là, ça va plus. C'était aussi pour vous dire qu'on va aller chercher les 200 000 abonnés. Je me suis dit aussi pourquoi pas pour les 111 111 abonnés faire un challenge 11 111 calories. Ça peut être drôle, de 10 000 calories à chaque fois pour moi et mon petit frère. On va devoir manger 4 Big Mac, 4 grandes frites et 4 milkshakes. Pas le droit de boire de boissons. Et tout ça le plus rapidement possible. On a une heure pour finir ce défi. C'est un défi qui a été fait par Matt Stoney. Il a terminé en 4 minutes. Et pour préparer cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu la préparation que je fais juste avant les gros challenges. On se retrouve sur mon vélo. Les amis, je suis donc sur mon vélo qui est juste ici. On va courir pendant 2 heures. Environ 1200 calories de brûlé environ. Bon, vous imaginez bien que 1200 calories, ce sera pas assez pour la vidéo. Hein. Et pourquoi je fais du cardio au lieu de la muscu? Parce que moi, personnellement, le cardio me donne très très faim. Parce que souvent, le cardio, derrière, ça vous donne extrêmement faim. Je recommande par contre de coupler la muscu ainsi que le cardio. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, venez sur mon Instagram. Là, on parle que de musculation et un petit peu de mon rythme de vie de chômeur à manger des burgers et des tacos. Les amis, on est parti pour courir et on se retrouve pour ce que vous avez vraiment envie. Le impossible Big Mac Challenge. Regardez, on regarde pas lentement, tranquille. On a la montre qui est ici. Et puis, on se retrouve juste après, les amis. Je suis hype. Tu deviens un bœuf, c'est bien. C'est bien. Un jour, t'essaieras de me rattraper un jour. Je viens de finir de courir. On est parti pour le défi. 1, 2, 3. On va pas être ensemble, les amis. Et oui, l'impossible Big Mac Challenge, les amis. Dans les commentaires, dites-nous, moi ou mon frère va manger le plus dans ce challenge. On s'est tous les deux entraînés. On a tous les deux fait exactement pareil. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Plus lourd que moi. Attendez, Instagram, les gars. 4 frites, 4 Big Mac, 4 milkshakes. Vous êtes dans l'impossible Big Mac Challenge. Ce challenge, t'es le premier. Le premier, il part au charbon. Regardez. 4 Big Mac. 1, 2, 3, 4. Dans les commentaires, est-ce qu'il y a des bœufs qui sont capables de manger tout ça? 4 grandes frites. Et surtout, vous n'avez pas le droit de boire, vous devez boire uniquement les milkshakes. Le plus calorique dans ce repas, ce ne sont pas les burgers ni les frites, ce sont bien sûr les milkshakes. On est sur un total de presque 8000 calories dans ce repas. Il a une heure, tout finir. C'est chacun son tour. C'est à lui de commencer. Je te donne une bonne chance. Et dans les commentaires, avant même que ça commence, dites entre moi et mon frère qui va le plus manger. Vous avez le chrono qui s'affiche. C'est parti pour le burger. Oh, déjà, je commence. On prend un truc direct. On commence par mettre la paille. Big Mac, hein. Wow, ouais. Le premier fait du bien. Ah, le premier Big Mac. Ça sent grave tout quand même. Ah, il fait plaisir le premier Big Mac. Ça fait bizarre, je mange pas avec toi. C'est quoi les pronostics là? On mange plus? Ouais. Pour moi, hein, je mange les 4 Big Mac. Une frite, une ou deux. Pour te mettre un peu la pression, Matt Stoney l'a tout fini en 4 minutes 40. Pour l'instant, j'ai bien faim. Allez, regardez, il a toute ma mère à la frite. Je sais pas si vous voyez. Truc de fou. Premier Big Mac, fini. En une minute. Ok, ok. C'est bien, j'aime là. Milkshake, c'est comment? C'est bon? Ça passe crème. Ok, very tasty. Ça passe crème. Ok, very tasty, very tasty. Du coup, bah, je suis obligé de boire, mais j'ai encore plus soif. Tout, il faut tout oublier.
Le destin veut tout oublier. Un jour, on va oublier. Et moi, je le dégomme. T'as vu, y'en a, ils ont dit, t'as pris du muscle, là. C'est bien. Mmh. Alors que c'est le confinement. Je fais que des pompes. Même pas de traction, elle est cassée. Les mulesèques, c'est mieux à la fin. Parce que si je bois en même temps de manger les Big Mac, je vais être trop vite rempli. Attends. C'est bien. Pas encore fini. Ok. J'aime bien. Ok. Je me pose. Ah, les frites, c'est dur, hein. Elles sont pas bonnes. C'est dur, hein. On l'entend plus depuis tout à l'heure. Non, j'abandonne pas. Ah, ok. Je rappelle qu'on ne vous invite pas non plus à faire ce qu'on fait, hein. Ouais, c'est bon, les milkshakes. Ça, c'est bon. Ça descend, tranquille. Ok. Je fais pareil, moi. Vas-y, moi, je suis allongé derrière. Ah ouais, mon ventre, il est rempli. Pouah. Ça a l'air d'être la fin pour toi. Je peux commencer le troisième, mais je le finirai pas. Ah rien, tu vas prendre mal à toi. J'ai pas envie de vomir et tout. Bon, allez, on applaudit quand même, les amis. Voilà, faut aussi se dire, les gars, je sais pas si vous voyez, mais les milkshakes sont très très denses, hein. Ils sont très très denses, et ce qui fait que c'est vraiment dur. C'est le plus calorique, c'est le plus dur à manger. C'est vraiment dur, et en plus, bah, vous avez soif, il y a beaucoup de sucre. À ton tour. Impossible Big Mac Challenge. C'est le tour du bœuf, les amis. On a mes 4 Big Mac qui sont là, à gauche de la caméra. De toute façon, je vais faire comme mon petit frère. Je vais les manger après, on va voir aussi. Tu peux me prendre une paille, s'il te plaît, assistant. Ma stratégie va être très simple aussi. Manger le plus vite possible dans les challenges, pour moi, c'est le meilleur moyen de engloutir le maximum de calories possible. Ne vous conseille pas de faire ce que je fais. 3, 2, 1, c'est parti. Mixer. Boum. First Big Mac. Ah ouais, tu dégommes. Trop bon. T'as vu, c'est bon le premier. Premier, deuxième. Ils sont bons. T'apprécies là? Ah, moi, c'est, ça avait pas faim. Et c'est le Big Mac qui m'a donné faim. J'attends depuis trop longtemps. Ah ouais, attends, c'est rapide, hein. C'est vrai que le premier, je l'ai mangé vite aussi. Moi, je l'ai mangé en 2-3 minutes le premier. T'as mangé en 1 minute, je crois. Boum. Vas-y, je te laisse, je reviens dans 10 minutes. Super pour le milkshake, c'est validé. T'as 2 minutes de challenge, même pas. On passe au deuxième Big Mac. La difficulté de ce challenge, vraiment, les gars, c'est de pas avoir d'eau. Ah, en fait, j'essaie de faire passer avec le milkshake. Je mangerai très vite, je fais passer avec le milkshake. Ouh. D'autres un petit peu. Les amis, ça fait environ 6 minutes qu'on tourne. On a mangé 3 Big Mac, on a fini un milkshake. Il reste un tout petit peu. Oh ah, c'est froid aux dents. Ok, on passe au prochain milkshake. Ça, c'est grâce à Koh-Lanta, les gars. Ça, c'est grâce au cardio, les amis. Comment ça va avoir faim. Quatrième Big Mac. Boum. Tout se passe dans la tête et dans les toilettes. Les amis, le quatrième Big Mac. J'ai un bœuf, putain. Tu comprends ça? Tu comprends ça, le Big Mac? C'est moi le bœuf, frère. T'es un vulgaire, t'es caché. Je te casse, gros. Je te casse. Je te bois. Je dégomme. Et après ce petit pain, j'ai battu mon petit frère en 9 minutes. C'est vraiment une petite frappe, ce mec, hein. On n'a pas les mêmes stratégies. Mais dans la vie de tous les jours, il faut manger comme mon petit frère. Prenez votre temps, savourez ce que vous mangez, etc. 4 Big Mac. Il nous reste donc 3 milkshakes ainsi que les 4 frites. On va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le gastrique. Un petit haut. Et on fait tourner le rotage. Les frites, elles sont vraiment pas bonnes. Je comprends pourquoi vous voulez pas les manger.
Ça c'est toi, c'est mon ventre. Ah ouais, mon front, il fait des bruits de bizarre, hein. Ouais. Ah, ça commence, hein. Ça commence à t'avancer. Ça commence à piquer. Bon, demi-check fini. Troisième check, il reste 3 frites, 2000 chèques. Tu penses que tu vas faire quoi? Je sais pas. 2000 chèques, ça remplit beaucoup. Je pourrais... Ah. Ah. Je vais m'étouffer. En fait, les frites, comme elles sont réchauffées, c'est infâme. Sorti du McDo, on aurait pu enchaîner. Ouais. Parce que là, les frites, elles sont pas bonnes et elles sont sèches. Vous avez vu, j'ai failli m'étouffer là. Il me reste un milkshake et 3 frites. Ouh, ça va être Jurassic Park dans les toilettes. Il en reste un petit peu. Je vais pas mentir, il en reste un petit peu. Mais là, je suis à deux doigts de faire la même bêtise que j'ai fait avec le Gigatacos. Si vous voulez voir quand j'ai fait le Gigatacos, n'hésitez surtout pas. En tout cas, les amis, je m'arrête ici. Cet impossible Big Mac Challenge nous a vaincus. Il est impossible. Un youtubeur ont réussi. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Il reste 3 frites, malheureusement, pour Kibiki. Mais je n'irai pas plus loin. Je veux pas être malade. Là, franchement, je suis quand même allé loin. Bah. Oh. Vous pouvez le voir. Moi, je vais aller marcher un petit peu partout dans ma maison parce qu'on peut pas trop sortir de chez nous. Ouais. Donc à demain. On se retrouve demain. Ouh, les gars, je me suis levé. Là, ça fait déjà 10-15 minutes que je marche. Donc on va continuer à marcher. N'oubliez pas de marcher aussi après votre repas du soir. Ça vous permettra de réduire votre taux de glycémie. Et surtout, c'est super bien pour aider à votre digestion et votre transit, tout simplement. Donc moi, je vais marcher pendant une heure juste histoire de vraiment faire du bien et me permettre de passer une très bonne nuit. Et on se retrouve demain. Je vous rappelle encore une fois que moi, j'ai le temps de faire ce genre de challenge parce que je peux me permettre de faire beaucoup de sport. Je peux me permettre de jeûner toute une journée parce que bah j'ai pas de travail de. Donc voilà, c'est pour ça. Ne reproduisez pas ce que je fais. Si moi je peux le faire, c'est tout simplement parce que j'ai le temps derrière de m'entraîner, de faire ce qu'il faut. Tout est une question d'équilibre. Vous pouvez vous faire plaisir. Derrière, il faut assumer quand vous faites des bêtises, tout simplement. Et nous, en ce moment, on fait beaucoup de bêtises. À demain. Les amis, on est le lendemain. Après une longue journée de jeûne, là, on est déjà le soir. Au final, ça va, ça s'est bien passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quelques petites douleurs au ventre, mais on va régler ça avec les compléments qu'il faut, les vitamines qu'il faut et surtout les légumes pour aider au corps à s'en remettre. On se retrouve très vite pour de nouveaux challenges. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez caressolides, c'était Kiwi et son frère. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux challenges, de nouvelles vidéos sans aucun contenu. Des bisous tout le monde.